sorti le crève, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, opé, prêt pour le combat. Rebonjour à tous, nous sommes dans l'émission Soldats. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se connecter sur Victoire Live. Et dans cette émission Soldats, nous avons une invitée, notre sœur Elsa. Bonjour Elsa, comment vas-tu? Ça va, bonjour frère David, ça va? Ça va, merci beaucoup. Alors, voilà. Quelles sont les nouvelles de ton côté? Tout va bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu, frère David. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Alors, tu es venu avec un thème dans cette émission, voilà, dans cette nouvelle émission Soldats. Alors, de quel thème s'agit-il? Il s'agit du thème des spécialistes. Oh là 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 là. Alors là, là, on va parler pendant 7 jours, hein? Hein, sœur Elsa? 7 voire 8 jours, hein, peut-être. Hein. Alors, je rappelle à tous les internautes, aux auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à revenir directement sur nous, sur la plateforme. Voilà. Alors, moi, je voulais quand même commencer avec un chant sur Elsa. Voilà. Et ce chant, eh ben, ça tombe bien parce que ce chant dit « Dieu a une armée qui se lève ». Pour lui obéir, Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Amen, amen. Voilà pour ce chant. Oui, nous sommes une armée et Dieu a une armée. Alors, sœur Elsa, on te laisse toute la place pour cet enseignement du 22 mai. Amen. Alors, frère David, nous allons parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des spécialistes, parce que comme nous sommes l'armée du Christ, autant l'armée dans nos pays, dans les pays respectifs, il y a des spécialités et il y a des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons parler des spécialistes, en fait, dans l'armée du Seigneur, dans le corps de Christ, parce qu'il y a les spécialistes. Amen. Donc, les spécialistes, c'est une personne qui a une connaissance approfondie dans un domaine bien déterminé, une branche, une activité professionnelle. Alors, si on remet ça dans l'Église, c'est dans qui a un don particulier qu'il a reçu de la part de Dieu, en fait. Et ce don qu'il a reçu, il le met au service du peuple de Dieu, pour l'édification du peuple de Dieu. Dans l'Église, en fait, les spécialistes, ce sont ceux qui ont reçu un don particulier. Oui, oui. Donc, nous allons voir, en fait, à la lumière de la parole, c'est quoi ces spécialistes-là. Nous allons aller dans Éphésiens, Éphésiens 4, versets 11 à 12. La Bible dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous voyons ici, frère David, que le Seigneur a bien fait les choses. Il a établi l'Église et il a établi maintenant, il a donné des dons à ses enfants, des dons particuliers à certains. La Bible nous dit, il a donné le don d'apôtre, à d'autres le don de prophète, à d'autres le don d'évangéliste, à d'autres le don de pasteur et à d'autres le don de docteur de la loi. Frère David, le Seigneur, tout ce qu'il fait est parfait et c'est pour un but bien précis, frère David. Parce qu'il sait que ces personnes qu'il a établies dans l'Église, en fait, ce sont ces personnes qui sont chargées d'enseigner et de poser les bases, les fondamentaux de la doctrine, en fait. Les fondamentaux de la doctrine. Et à certains, il a donné la vision pour que ces personnes puissent voir, puissent connaître la pensée de Dieu et puissent voir et établir selon le modèle, frère David. Nous allons comprendre en fait ce que c'est que ces ministères-là.
comme le ministère d'apôtre. Nous allons voir selon la 1 Corinthiens 3. La Bible nous dit au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Amen. L'apôtre, en fait, Frère David, c'est une personne qui a reçu ce don particulier d'être le poseur de fondements, en fait, qui pose les fondements et qui établit la doctrine, en fait, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu, qui a une direction à suivre et qui établit, en fait, des églises et des assemblées. C'est ça l'apôtre, en fait. C'est ça l'apôtre. L'apôtre, voilà, l'apôtre a ce mandat puissant de Dieu, là. C'est ça, pour ça que souvent, excuse-moi, sœur Elsa, de te couper, parce que c'est un très bon thème, hein, voilà, parce que là, le but aussi, c'est de connaître aussi donc, les différents ministères. Mais on va s'apercevoir que aussi, lorsque l'ennemi attaque, eh ben, il vient attaquer, on va dire, eh ben, les ministères, parce qu'il sait qu'au fait, eh ben, ces ministères-là, c'est la base, c'est un peu le socle, c'est ça? Oui, c'est ça, Frère David, c'est ça. Parce que le ministère, c'est quelque chose de très fort et aussi de très fort, de très puissant. Parce que dans l'exercice du ministère, il y a la vie et il y a la mort aussi, Frère David. Il y a la vie et la mort, parce que la parole de Dieu est claire. Hein. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné un don que tu dois faire ce que tu veux de ce don, en fait. Il t'a donné un ministère. Il faut garder jalousement et fidèlement le ministère que Dieu te donne afin d'accomplir la tâche et d'être, en fait, agréable à Dieu dans l'exercice de ton don, dans le corps de Christ. Parce qu'il ne te donne pas ce don pour tes beaux yeux, non. Parce qu'il a posé en toi une capacité et c'est son bon vouloir. Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il ne demande pas l'avis d'un tel ou d'un tel pour dire, « Ah bon, voilà le frère David, lui, je vais lui donner le don d'apôtre. » Il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Il demande l'avis de qui que ce soit. C'est dans le conseil de sa sagesse qu'il établit les choses, en fait. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, « Bien, celui que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Que chacun prenne garde, c'est très important parce que si tu n'y prends pas garde, le ministère risque de te traîner dans le séjour des morts. Si tu joues donc ça avec peut être dangereux alors. En fait, c'est comme un devoir. Hein. Dieu nous demande de, comment dire, d'avancer dans le ministère. Mais si moi je décide en disant non, en fait, eh ben, je ne suis pas prêt, ça veut dire que c'est très dangereux, c'est ça? Oui, c'est très dangereux, Frère David. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se projeter parce qu'on a, nos envies personnelles. À se dire, bon, moi, j'ai envie un frère ou une sœur qui est pasteur, qui est prophète, qui est prophétesse, évangéliste. Eh bien, moi, je me proclame évangéliste ou je me proclame pasteur. C'est dangereux parce que en le faisant, on s'avance sur un territoire qui est inconnu et qui n'est pas, en fait, dans le domaine où le Seigneur nous attend. Parce que tout se complète, Frère David. En dehors des ministères, il y a d'autres dons que Dieu a donné à ses enfants, en fait. Il y a d'autres dons dont chacun a une particularité. Il ne faut pas envier ce que Dieu a donné à ton frère et te dire, bon, voilà, moi, je vais faire comme mon frère. Non, parce que tu vas te casser les dents. Et parce que tu vas te casser les dents, tu vas t'avancer des dents, tu vas t'avancer sans Dieu. Le Saint-Esprit ne te soutiendra pas parce qu'il ne t'attend pas à ce poste-là, à cet endroit-là, il ne t'attend pas là. Et ce que tu vas faire, parce que tu n'as pas le rendement de celui qui est véritablement loin pour ça, ce que tu vas faire, tu vas aller t'adonner, tu vas chercher à avoir le même rendement, mais tu vas aller vers lui. Soit tu travailles avec le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, soit tu vas travailler avec Satan et son esprit. Alors, sœur Elsa, pour bien comprendre, c'est-à-dire que si j'ai mon frère ou ma sœur, ben en fait, qui a tel ministère, il n'y a pas de concurrence, au fait. Donc, c'est-à-dire que du fait que nous soyons ensemble dans le corps du Christ, donc, au fait, le Seigneur a mis un don, on va dire, à chacun pour que chacun puisse avancer et pour que les ministères travaillent ensemble. C'est ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Non, Frère David, il ne doit pas avoir de concurrence, en fait. Il ne doit pas avoir de concurrence entre les ministères et entre des frères et sœurs. Parce que la concurrence naît de quoi? La concurrence naît, en fait, Frère David, de la jalousie. Le désir de vouloir faire comme l'autre, le désir de vouloir le dépasser. Alors que l'autre, quand il fait ces choses, il ne pense pas à toi.
Il ne te calcule pas. Il fait ce que le Seigneur lui demande de faire, conduit par Il trace l'Esprit sa de Dieu. route, tout droit, Voilà, il autoroute. trace sa route, il ne te gère pas. Mais toi, tu es dans ton coin, tu l'observes à distance, tu te dis non, s'il fait ça, je vais faire. Parce que tu es jaloux, en fait. Parce que tu es jaloux et tu veux faire exactement ce que l'autre fait. Mais tu ne peux pas reproduire. Personne ne peut reproduire l'œuvre à la croix, frère David. Personne n'est capable de reproduire. Oui, personne n'est capable de reproduire ce que Jésus a fait. Vous voyez? Personne n'est capable de reproduire. Donc, on ne peut pas faire ce que mon frère et ma soeur font. Ce n'est pas possible. Chacun est particulier. Les cinq doigts de la main n'ont pas la même taille. Les cinq doigts n'ont pas la même taille. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné ces cinq ministères-là. Ce n'est pas pour rien, parce que chaque ministère va avec la particularité, avec sa particularité. Tu vas t'avancer en te proclamant apôtre, par exemple, parce qu'on a commencé par apôtre, mais alors que tu n'as même pas la vision, une vision apostolique. Je suis désolé. Ouais, ouais. Alors, Sœur Elsa, excuse-moi, comment on sait qu'on est apôtre? Comment on sait qu'on est appelé, on va dire, au ministère que Dieu nous a donné? C'est en parlant avec Dieu? En fait, frère David, Dieu qui donne les ministères à qui il veut. Par exemple, un ministère comme apôtre, comme vous dites, frère David. C'est Dieu, en fait, qui te le dit par la puissance de ton esprit. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir connaissance de ce ministère, en fait, par la voix d'un de ses serviteurs ou une de ses servantes. Tu peux avoir connaissance de ce ministère parce que parfois, tu peux être appelé à un ministère, mais tu ne sais pas à quel ministère tu es appelé. Mais si tu es assidu, si tu es assidu et obéissant, si tu honores en fait la personne que Dieu a établie dans ton assemblée, cette personne a le devoir de te guider afin que tu rentres dans ce ministère. Il a le devoir parce que c'est à lui que Dieu donne la capacité de voir que voici en mon fils Jules, il a cette particularité-là. Il a ce don-là. Jules même ne sait pas qui développe ce don. Mais le maçon, frère David, le maçon est jugé au pied du mur. Le maçon est jugé au pied du mur. C'est en exerçant, en servant Dieu, que le berger regarde et constate, en fait, à la lumière du Saint-Esprit, que celui-là, il a un don apostolique. Et ça ne naît pas comme ça. Il faut servir Dieu. Il faut que cette capacité-là se voit dans l'exercice, dans le service de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur dans l'obéissance, le Seigneur, en fait, il dessine ça véritablement de façon à ce que ce qui était encore caché puisse se révéler petit à petit. Et qu'au moment où on rentre dans le ministère, que ce soit, confirmé de tout le monde, en fait. Que ce soit confirmé de tout le monde. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir fait cette preuve, frère David. On se lève un matin parce qu'on connaît deux, trois versets, on est devenu apôtre. Non. Alors, ça veut dire, alors, cela, si je comprends bien, sœur Elsa, c'est que je ne me donne pas de titre. C'est-à-dire que, OK, bon, je suis pasteur. OK, c'est un titre peut-être que je me suis donné. C'est-à-dire que c'est à travers la parole de Dieu, donc c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, en fait, qui me dit, voilà, en fait, toi, c'est ça ton rôle et tu fonces dans ça. C'est bien ça. Parce qu'actuellement, on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des frères et des sœurs qui se donnent des titres, mais est-ce qu'on consulte Dieu? Et il y a aussi un danger. Voilà. Est-ce qu'on cherche notre propre gloire? Et ça, c'est une question aussi qu'on pourrait se poser, sœur Elsa. Mais oui, bien sûr, frère David, c'est une très bonne question. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, on a de tout dans les réseaux sociaux. On a des frères et des sœurs, en fait, qui usurpent les titres de ministère, en fait. Qui usurpent. En dehors du fait que Dieu élève un frère ou une sœur, comme il lui donne un ministère, ça ne fait pas de toi, par exemple, un super frère. Ça ne fait pas de toi un Dieu établi. Non, pas du tout. C'est toujours avec humilité. Et c'est dangereux, frère David, quand quelqu'un se lève et il va sur la toile, il se donne un titre. Je suis évangéliste. Mais tes œuvres, les œuvres de l'évangéliste, tu ne les fais pas. Tu ne fais pas l'œuvre de l'évangéliste parce que tu n'as pas reçu ce ministère-là. Tu n'as pas reçu. Tu n'as pas la compassion des âmes. Tu veux être évangéliste. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Tu n'as pas ce poids des âmes-là. Tu veux être évangéliste. Tu n'arrives même pas dans ta vie. Tu es dans l'église depuis des millénaires. Tu n'as même pas gagné un chat à Jésus. Un chaton, tu n'as pas gagné à Jésus.
À plus forte raison, un être humain, tu n'as jamais parlé de Jésus à qui que ce soit. Mais parce que les réseaux sociaux, il y a une extension terrible et de la façon dont on l'utilise pour recevoir de ce qu'on. Parce que quand on s'expose, parce que ça là, il va laisser que Satan correctement. Parce que quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, quelles que soient les attaques, quelle que soit la façon qu'il te protège, qu'il te couvre, mais s'il ne t'a pas envoyé là-bas, tu es avancé dans quelque chose où il n'est pas. Tu t'en vas seul avec ta chair et ton intelligence. Or, la parole de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence. Les ministères n'ont rien à voir avec l'intelligence. C'est ça qu'il dit, ceux qui pensent qu'ils sont intelligents sont devenus tous fous. Le Seigneur lui-même a glorifié Dieu de ce qu'il a caché, le mystère de sa parole, aux sages, aux intelligents. Il a donné aux pauvres. Celui qui se reconnaît qu'il est pauvre, à lui, Dieu lui a donné la connaissance. Donc c'est un danger, frères et sœurs, d'aller sur les réseaux sociaux et de faire tout et n'importe quoi, parce qu'on a une envie, on est poussé par nos désirs, par la chair. Et on va sur les réseaux sociaux et on se dit, je suis pasteur. On m'avait dit que je suis pasteur. On m'avait dit que je devais être évangéliste. On m'avait dit, non, frère, non, 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 non. Même alors, si Sarisa, excuse-moi de te couper. Alors, ça voudrait dire que si quelqu'un m'a attribué un titre en me disant que j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, eh ben, j'ai vu que tu étais pasteur, c'est-à-dire que là, faut faire très attention aussi, c'est ça? Il faut toujours consulter, c'est-à-dire en toute chose, on consulte Dieu? En toute chose, il faut consulter Dieu, frère David. Une personne que Dieu peut parler à quelqu'un, frère David. Je prends, par exemple, mon temps. Moi, j'avais eu en fait, un pasteur qui m'avait parlé, en fait, de mon appel. Mais frère David, ce pasteur-là m'a parlé de mon appel, mais ça ne m'a rien dit, frère David. Ça ne m'a rien dit. Mais parce que, en fait, au moment où il me parlait de ça, ce n'est pas ce que je cherchais, en fait. Je ne cherchais pas ça. Et je n'avais même pas, c'est-à-dire, je n'avais pas de pensée par rapport à ça. Bien même quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais oublié, frère David. J'avais oublié. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'aimais bien être dans l'ombre. J'aimais bien être larron des autres. Vous voyez, frère David, j'aimais bien être dans l'ombre. Mais je suis resté dans l'ombre pendant des années. Je suis resté dans l'ombre jusqu'à ce que le Seigneur dise c'est le temps. Parce qu'un frère peut te dire une parole, mais l'accomplissement de cette parole arrive 10 ans plus tard. Or, si tu te précipites, tu vas plonger dans la parole au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, dès que tu vas maîtriser 2-3 versets, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut vraiment attendre le feu vert, hein, lorsque Dieu te dit, ok, tu vas, tu démarres. Parce que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que même quand le feu est rouge, eh ben, bon, de toute façon, il n'y a personne, hein, Elsa. Là, je suis dans un carrefour, voilà, je suis seul, mon feu est rouge, mais attends, Seigneur, ben, là, je peux passer. Mais le Seigneur te dit, non, ne passe pas. Mais alors, toi, par tes propres yeux, tu essayes de voir, tu te dis, oui, mais là-bas, des deux côtés, il n'y a personne, donc c'est bon, je peux passer. Et tu sais, tu essayes de négocier un peu avec Dieu. Mais quand Dieu te dit non, c'est non, il faut écouter. Maintenant, lorsque Dieu te dit oui, tu peux aller, tu vas. Et moi, j'ai un petit témoignage aussi par rapport à cette image. C'est qu'il y avait une sœur, elle a attendu 25 ans sur son appel. 25 ans, c'est énorme. Et ce qui se passe, c'est que, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est que cette sœur aujourd'hui est artiste, voilà. Et elle sentait que dans son cœur, au fait, eh ben, il fallait commencer à sortir des albums. Elle avait des demandes, des tournées dans le domaine chrétien, sur l'international. Cette artiste très jeune, mais une super belle voix, jusqu'à maintenant, bien sûr. Et le Seigneur lui a dit, c'est pas maintenant. Donc, toutes les personnes qui étaient autour d'elle lui disaient, attends, mais pourquoi le Seigneur ne te donne pas, en fait, le feu vert? Non, vas-y, essaye. Et elle disait non, elle était déterminée. Ma sœur Elsa, 25 ans de combat. Pendant ces 25 ans, l'ennemi a essayé de l'influencer. Et pour revenir encore sur cette image, sur ce feu rouge, effectivement, il est rouge. Mais on cherche toujours, en tant qu'enfant de Dieu, à défier Dieu.
Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, alors tu passes. Mais tu n'as pas vu le danger, parce que tu es limité. Et quand, en fait, eh ben, on reste sur cette image, et maintenant on remonte, on prend de la hauteur, eh ben, Dieu voit tout. C'est-à-dire que toi qui es en bas sur cette terre, tu n'as pas cette même vue, cette même vision que Dieu. Et là, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que Dieu, en fait, eh ben, voit tout. Il voit non seulement le carrefour où tu es, mais il voit aussi un camion qui arrive aussi à grande allure Amen. et qui est en train de foncer. Lui, son feu est vert. Mais toi, tu ne l'as pas vu. Mais du fait que Dieu t'a dit, reste là, que ce soit 10 ans, 25 ans, regarde notre sœur pendant 10 ans. Regarde notre autre sœur pendant 25 ans. C'est dur à tenir parce qu'il y a de la tentation de partout. Mais la sœur n'a pas bougé. Et la 25e année, le Seigneur lui parle. Go, là tu vas. Alors si cette sœur n'avait pas respecté le Seigneur, elle serait partie faire ses événements. Mais ça n'aurait pas été la volonté de Dieu. Et ça, c'est Amen. très important. Elsa, sœur Elsa, qu'est-ce que tu penses de cette image et de ce témoignage? Mais frère David, c'est très fort parce que, en fait, j'ai l'impression en fait que le témoignage de la sœur est similaire au mien parce que moi, j'ai connu le Seigneur à 14 ans et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 28 ans, frère David. Et donc, ça fait 28 ans Ah oui, que... 28 ans. Wow. Donc, c'est long. C'est long. Mais dans ces années, dans ces 28 années-là, il y a eu un parcours. Il y a eu un parcours, frère David. C'est pour ça que c'est très important d'attendre le go du Seigneur. C'est très important, frère David. C'est très important. Quel que soit, parce que l'ennemi aussi, il va passer par des gens, hein, des personnes qui vont venir, en fait, essayer de nous donner de belles paroles qui vont rassasier notre chair, hein, pour qu'on puisse aller à l'encontre de ce que le Seigneur voudrait. Parce que quand le Seigneur ne nous donne pas la possibilité de commencer autant que nous on veut, c'est parce qu'il y a encore des choses en nous qu'il ne veut pas faire. Parce qu'il sait que si on commence à ce moment-là, on va tout bousiller, en fait. Donc, il faut qu'il travaille, il faut qu'il nous épure d'abord. C'est-à-dire que le Ah Seigneur oui. attend qu'on soit prêt, c'est ça. Bien sûr, Le Seigneur bien nous sûr. entraîne. Ouais. Bien sûr, le Seigneur nous entraîne. C'est le général de son armée. Donc, il entraîne ses soldats. Il sait te lever, il sait te donner un coup de bâton pour que tu tombes. Mais quand tu tombes, il est là, il te rattrape. Il te forme, en fait. Parce qu'on ne donne pas, en fait, on ne donne pas un ministère, ou le Seigneur ne permet pas que tu rentres dans un ministère si tu n'es pas solide, si tu n'es pas enraciné. Parce que si tu n'es pas enraciné, il suffit qu'il y ait un vent qui passe et puis tu es renversé. Et en te renversant, tu risques de même plus te relever. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre le temps de Dieu et c'est pour cela aussi que c'est très important. Non seulement il faut attendre le temps de Dieu, il faut se reposer sur ce que Dieu te dit à toi. Pas seulement sur ce que Dieu dit aux autres, de te dire non. Parce que ce que dit Dieu dit aux autres, il doit pouvoir te le dire aussi. Il doit pouvoir te le dire parce qu'il faut que ce soit, tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble parce que le Seigneur, il parle, il confirme toujours ce qu'il dit. Il peut avoir donné une parole et il la confirme 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, cette parole-là. Mais c'est en son temps. Exactement. C'est en son temps et il faut attendre ce temps-là, en fait, avec patience. C'est pour ça que le fruit, l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. C'est pour ça. C'est pour Alors, ça. sœur Elsa, il nous reste Oui. 5 minutes avant de clôturer cette émission. Voilà, très belle émission. Et le thème de cette émission, c'est les différents ministères. Alors, sœur Elsa, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Alors moi, ce que je voudrais ajouter, frère David, c'est que les frères et sœurs, en fait, ce que nous devons faire premièrement, c'est de rechercher le Seigneur, rechercher vraiment le royaume des cieux, ne pas courir, en fait, ne pas vouloir courir, se précipiter à rentrer dans le ministère. Parce que le ministère, il y a la vie et il y a la mort dans le ministère. Si tu rentres dans le ministère et que Dieu ne t'a pas donné le go, son go, tu vas produire que
la mort dans ce ministère-là. Tu ne seras pas affermi et tu vas travailler avec toi et ton intelligence. Parce qu'on peut parler de Dieu sans Dieu, bien-aimé. Donc, fais attention. Fais attention. L'important, c'est de parler de Dieu avec Dieu lui-même. Pas de parler de lui sans lui. Et c'est là où il y a le danger. Quand tu commences à parler de Dieu sans Dieu, toi, personnellement, qui aimais, tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Tu sais que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Parce que quand tu t'examines toi-même, comme Sophonie le dit, Sophonie de examinons-nous nous-mêmes. Quand tu t'examines toi-même, tu sais que, ah, sincèrement, je ne suis pas avec Dieu. Parce que quand tu n'es pas avec Dieu, les fruits que tu produis, ce sont des fruits amers. Ce sont des fruits amers. Donc, il faut faire très attention, bien-aimé. Ne pas se précipiter. Recherchez d'abord Dieu. En toute chose, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si ça se trouve, Dieu ne vous a pas donné un ministère parmi les cinq ministères, mais il vous a doté d'autres dons qui complètent, en fait, qui complètent l'œuvre et le perfectionnement des saints, bien-aimés. Et il vous a donné des talents. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas se précipiter, aller ouvrir des églises, des assemblées, non. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est la mort que tu ouvres. Et tu entraînes beaucoup d'âmes dans ta chute, bien-aimé. Il faut faire très attention, réfléchis encore, réfléchis. Discerne quelle est la voix qui te parle. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est la voix de Satan? Parce que Satan aussi parle, Satan aussi inspire, bien-aimé. Fais très attention, bien-aimé. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas précipité. Il ne se précipite pas. Il prend son temps. Il prend son temps. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu travailler en toi. Amen. Amen. Parce que tu as vu un frère et une sœur sur les réseaux sociaux et tu veux faire comme ce frère ou cette sœur. Non, bien-aimé. Non. Ne fais plus ça. Ouais, c'est fini. Ne fais plus ça. Et il n'y a pas de honte à dire, il n'y a pas de honte à reconnaître son état, frère. Il n'y a pas de honte à reconnaître son état. Si tu te reconnais dans cette position-là, rebouche chemin, bien-aimé, et Dieu te bénira. Le Seigneur va te relever. Il t'enseignera ce que tu as loupé. Il t'enseignera, en fait, tu reprendras le chemin. Tu reprendras le chemin. Mais il faut être conscient et il faut reconnaître ton état spirituel, bien-aimé. Sinon, tu vas t'exposer, en fait, à la vendetta de Satan. Et Dieu qui est juste, il va laisser Satan faire. Merci beaucoup, sœur Reza, d'avoir participé à cette émission. Alors, il me semble que ce soir, hein, sur votre page ou compte Facebook et YouTube, maintenant, vous serez en live à partir de 20h, c'est ça? 20h, 20h30? Oui, frère David, nous serons en live ce soir à partir de 20h30 sur notre page Facebook du ministère. Et en simultané aussi sur YouTube. Donc, le Seigneur, grâce que nous puissions évoluer dans la technologie, tout est fait pour sa gloire. Ben David. Amen. Bénissons pour cela. Merci beaucoup, sœur Elsa, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve vendredi prochain. Et quant à moi, on se retrouve dans 35 minutes avec le frère Vincent, voilà, où on parlera de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, merci. À très bientôt. J'ai sorti le crème, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, au fait, prêt pour le combat.